Mais il n'y a pas de film hein, encore. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao. 100 000 euros. Come los bastardos. Les anciens nous envoient acheter des canettes. Aujourd'hui nous suce la bite pour qu'on leur avance une galette. La galère, ouais. Félix sa mère, on a le feeling. Investir dans un calus, mais te tire ta hiérophilie. On est sérieux, et il n'y a eu que du truc sérieux pour ça, et moi je vais, toi je vais du début à la fin, je me soutiens, et j'étais beaucoup stressé des fois, et j'étais là, et franchement c'est dur, hein, les gens croient que c'est rigolo tout ça. On a fait beaucoup de t-shirts pour retrouver la boutique à 44 rue Paulbert, on a vraiment vendu, on a vraiment mis de côté, on n'a pas fait n'importe quoi là, avec l'argent, on n'a pas été claquer de l'argent dans des bouteilles de champagne ou chez les putes, donc on a réussi à faire l'argent de côté pour faire un film de haute qualité. Voilà. 300 000 euros. En dehors du racisme, le message concrètement du film, c'est quoi exactement? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se vengent et est-ce que ça vaut le coup de se venger? Voilà. Vous avez vu que dans le film, c'est la maman qu'on a défendue, que c'est son fils qui a mis le coup de couteau, et puis on ne sait pas si vraiment il l'a tué, il y a le deuxième qui arrive. Même le but aussi, c'est de montrer tout au long du film, tu vois, un des frères qui veut réussir, on a un qui a la rage contre la société, parce qu'il va beaucoup en prison, parce qu'il sent un mal-être, parce qu'il sent qu'il n'y a aucune reconnaissance, que lui, ses parents, ils n'ont aucune reconnaissance face à la France, tu vois. Donc il y en a un dans le film, il fait en sorte que son frère soit dans le bon chemin. Et au final, peut-être que c'est son frère qui ne va pas tuer, mais tu vois le concept. Et c'est celui-là qui voulait réussir, qui va peut-être faire le mal. Voilà, tu comprends? Vous vous doutez qu'il y a des ados qui vont regarder votre film. Même s'il est interdit au moins de 16 ans, ça commencera à 12 ans. Voilà. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils acceptent le mauvais message plutôt que le bon? La différence, c'est que moi, mon film, il est réel, il n'est pas faux. Je sais, si tu voulais voir des avions s'exploser sur le World Trade Center, il fallait appeler Ben Laden. Non, mais le truc, non, c'est... Là, je vais t'expliquer, c'est que moi, c'est un film réel. C'est un film qui existe. C'est un film avec des vrais problèmes. C'est un film qui a été vraiment boycotté parce que le racisme en France, c'est ça le problème du moteur. Parce que la France, c'est un beau pays. C'est un pays qui mérite d'être au top de l'Europe. Et aujourd'hui, on n'est pas à notre voie. Ça, c'est un film, je cite, c'est un film pour montrer les problèmes en banlieue, pour montrer le racisme partout. Il peut être dans la police, comme il peut être chez les jeunes, comme il peut être partout. Et pour vraiment... Dans la mixité. Voilà, garde du corps et chauffeur. Alors on a passé hier une super bonne soirée. On était dans un yacht, on savait plus quoi faire. Hein. Il y avait plus de meufs qu'on en avait marre, on leur mettait des coupées et tombaient dans l'eau, comme dans le film. Allez, pour ça, il y a tout ce qu'il veut avec. Il pleut, mais nous on est. Il y a un toit. Ah, bonjour monsieur le policier. Vous pouvez pas nous contrôler, on n'a pas de papier. Ah c'est le canon, voilà. Quand tu rentres partout en VIP, c'est un rêve. Franchement, je suis content, on a fait un carton. Franchement, je suis super satisfait. C'est un film Ghetto You, j'ai réussi à le faire. Je suis le producteur et le rôle principal avec mon ami, mon frère Zaref. Donc je prépare encore un autre, un court-métrage qui va s'intituler Show. Et un autre film qui va s'appeler Truand de la Galère. Tu vois, les gens qui n'ont pas cru en nous, aujourd'hui, regardent maintenant et regrettent parce que... on a réussi, mais on est toujours la tête sur les épaules, on ne se la pète pas et on est toujours opérationnel, tu vois. On s'arrête à chaque personne qui veut faire des photos, on s'arrête, on ne va pas se la raconter. Nous, on a fait un film avec nos propres moyens. On ne vient pas à Cannes pour flamber, on vient à Cannes parce qu'on travaille. J'ai beaucoup d'émissions à faire, j'ai beaucoup de trucs à faire. Mec, là, tire de toi là, mec, là, tu pars. Vous qui vous êtes toujours demandé comment tourner un clip de rap et notamment un clip de Marseille, voilà.
Manche à Cannes, une grande big up à toutes les émissions, une grande big up. Aussi je voulais dédicacer aussi Zaref, je voulais aussi dédicacer Sinox, je voulais dédicacer Sébastien Abdelhamid. Et vraiment c'est parti.